sans éducation, sans estime de lui. Faites du bruit pour Goofy Wanda, s'il vous plaît. Rappelle-moi ton nom. Olivier. Est-ce qu'il y avait des Français dans la salle? Bon, tant mieux. Est-ce qu'il y en a qui me connaissaient déjà un peu? Est-ce qu'il y en a qui savent je suis qui? Tu m'as vu dans l'émission. Je suis fucking famous. Depuis cette émission-là, pour de vrai, je suis fucking famous. Partout où je vais, même les gens, est-ce que c'est parfait? Fais chier, man. Même quand je suis en voyage, même quand je sors d'un bar, tantôt, je demande une bière au serveur. Il me dit, t'as pas besoin de payer. Je suis complice. Je demande une deuxième bière. Il me dit, j'ai pas besoin de payer. Je demande une troisième bière. Il me dit, j'ai pas besoin de payer. Je dis, oh shit, hein? J'aime ça, le petit agricole. Il vient me voir, même. Il me dit, avec une facture. Pour trois bières. Il disait, ben, c'est parce que je pensais que t'étais tripin. Propriétaire du même établissement ici ce soir. Là. Je suis rentré, c'est la première fois que je le vois d'ailleurs. Il fait, tout de suite, là, il me voit, il fait, avec, yo René, avec, quand, est-ce que Stevie Wonder, je m'assois? Non, je ne sais pas Stevie Wonder. D'habitude, celle-là, elle rentre mieux, mais bon. J'avais moi dans la vie, j'anime des shows. J'anime un spectacle en fin de semaine sur la rue Masson à Montréal-Nord, en plein cœur de Montréal-Nord. Tout le monde me demande, ça a-tu tiré? Tout le monde me demande ça. Et ça a tiré de la ratchet en tabarnak. Écoute, j'ai demandé au début, où sont les Haïtiennes? Puis là, tout le monde a fait, ouais. Puis il y avait cinq filles blanches en avant qui était comme ouais! Puis moi je le regarde puis je suis comme. Puis elles sont comme. Nous on s'en fout qu'est-ce que tu dis, man. On sait faire à manger, griot, maille moulin, ok? On a de l'attitude, ok? Puis nos partenaires ont des femmes sous-côté. On est haïtienne, ok? Puis là je suis comme non, non, dis pas ça, dis pas ça. On va à Terrebonne. Terrebonne. C'est que c'est loin. La dernière fois que je suis allé à Terrebonne, j'ai même vu des cabanes à sucre. La cabane à sucre où je suis allé, ça s'appelait Au Gascon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un bar de danseuse. Hein? C'est pas Au Gascon, bar de danseuse. Je sais, c'était marqué devant, entrez, vous sucrez le bec. Viens mettre du sucre sur mon bonbon. Cabane à sucre. J'aime ça la cabane à sucre parce qu'historiquement, c'est un lieu familial où les Blancs échangent le sirop d'érable, la bière et leurs cousines. Tu n'as pas aimé celle-là, hein? Le G20 s'en vient bientôt. Hein, le G20, c'est quand tous les chefs d'État se rencontrent ensemble. Et je ne sais pas si tu sais, mais ils font toujours un petit power, un petit 5 à 7, où tout le monde amène quelque chose. Le président des États-Unis va venir avec sa casquette. Make America great again. Hein? Le président de la France va venir avec des gilets jaunes pour tout le monde. Le premier ministre du Canada va venir avec des joints pré-roulés. Yes. Et le président d'Haïti va venir avec un container rempli de vieilles affaires usagées pour tout le monde. Des vieux fours usagés, des vieux vêtements usagés. Anthony Cavana, Luc Merville. Oh shit, too much. Hein? Écoute, ça va être pire la prochaine. Est-ce qu'il y a des végétariens en place? Aucun végétarien, tant mieux. Ok. Là, maintenant, il y a un combat des végétariens contre les carnivores. Je ne sais pas si tu sais, on entend ça partout. Dans les médias. Moi, je dis qu'on devrait faire un match de boxe pour finir avec ça. Les végétariens contre les carnivores. On prend un représentant, puis c'est moi qui anime.
le coin rouge, le coin des carnivores, j'ai nommé Jean Pascal. Dans le coin vert, le coin des légumes, j'ai nommé Adonis Stevenson. Oh, tout soon, tout soon. Ok, ok. Mais écoute, en attendant que Mike White se fasse condamner pour ses jokes, je me suis dit, je vais rentrer toutes ces jokes-là maintenant. That's it. Mais en même temps, c'est-tu comme fini ou... Ouais, ouais. T'es sûr? Ouais. J'ai envie d'en placer une dernière, la violenter les oreilles de tout le monde. Mais je vous ferai pas ça. Pas ce soir. Les gens m'ont trouvé dur, mais si, pour ceux qui n'ont pas vu Goofy à souper presque parfait, c'est lui qui est arrivé avec les sauces McCroquettes de McDonald's. Ok, c'est, si vous ne connaissez pas le gars, vous connaissez l'histoire obligée. Okay. Le prochain invité.